海王拳。Hey, yo tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, vite fait de du pack DLC 3 qui est sorti. Vous savez, hein, il est sorti avec il y a beaucoup Black Rosé, il y a Bojack et puis Zamasu et puis tout plein de choses à côté, des quêtes et tout ça. Je pense que vous savez, donc ça sert à rien que j'en dise plus. Mais je vais vous faire une petite vidéo vite fait pour sur Goku Black Rosé pour montrer un peu les combos infinis en fait qu'on peut faire avec ce perso. Donc voilà, c'est une petite vidéo vite fait pour vous montrer ça. Donc on va partir en entraînement. Hein. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Ok, donc nous voilà en entraînement. Donc je vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer en fait deux combos infinis en fait qui peuvent s'enchaîner à la suite tous les deux. Donc je vais vous montrer ça. Et le truc aussi, c'est que sur ces deux combos infinis en fait vous pouvez en faire un, ensuite vous pouvez enchaîner sur un autre combo infini et ensuite sur l'autre aussi. Donc ça fait sur le premier, vous enchaînez ensuite sur le deuxième, ensuite vous revenez sur le premier. Ça c'est la première façon de le faire. Sinon vous avez un combo infini qui est tout simple que vous pouvez faire, que vous pouvez enchaîner tout le temps en fait, juste avec ce combo infini là, juste avec un seul en fait. Donc j'espère que vous m'avez compris. Ok, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, il y a un problème. Attendez. Non, parce que j'ai enlevé les bruitages, du coup ça fait chelou. Je vais mettre les effets. Là, ça va être mieux comme ça. Ok. Allez, on recommence vite fait, c'est parti. Donc ça c'est le combo que je vous avais parlé en deuxième temps. Donc on va commencer par celui-là en fait, parce qu'il est plus simple. Donc le premier combo, il est facile, hein. Vous avez vu les touches à gauche là, mais je vous expliquais ça. Donc ça fait 1, 2, 1, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et après le cinquième coup, sur carré, hein, donc 5 fois carré, 1, 2, 3, 4, 5, boum. Ensuite vous faites triangle, vous l'éjectez. Ensuite pour le rattraper sans utiliser de TP, sans utiliser de barre d'endu, Vous faites une téléportation avec triangle. En fait c'est gratuit en fait, si vous voulez. On peut dire ça comme ça quoi, c'est une TP gratos quoi. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 8, triangle, triangle. Voilà. Donc il se TP, comme vous avez vu, j'ai perdu aucune barre d'endu. Donc regardez, donc ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bim, on se TP. Vous voyez, si je fais rien du tout, si je laisse faire le coup, ça il a fait le coup tout seul. Donc si je le laisse faire, il fera ce coup là, il éjectera, du coup je pourrais rien faire. Donc du coup pour annuler ça, et ben on va appuyer sur L1 en fait pour annuler l'effet. Voilà. On appuie juste sur L1. Mais il faut vraiment appuyer vraiment un petit peu vers la fin quoi. Il faut vraiment attendre que votre adversaire il est vraiment très proche de vous pour cancel le coup qu'il fait quoi de base. Parce que vous avez un petit laps de temps en fait, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour le faire. Mais franchement, ça le fait, il n'y a pas trop de soucis. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Bim, on jette triangle. Bim. Vous avez vu? Donc j'ai annulé le coup qu'il allait faire. Là, vous voyez, il était en train de se tourner sur lui-même pour foutre le coup de pied là. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que vous appuyez sur L1 pour annuler ça en fait. Donc voilà, c'est tout simple. Donc, regardez, je vais vous montrer ça. Bim, cancel, on recommence. Voilà,
cancel, on recommence. 5, bim, objet, crayon, cancel, on recommence. Voilà, c'est ça, c'est très facile en fait, voilà. Voilà, donc avec ce combo infini là, vous pouvez, quand il est en break stamina, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire ça, quoi. Vous le tapez en boucle, quoi, donc vous perdez aucune TP. Donc voilà, ça c'est... voilà, donc ça c'était le premier combo infini à faire. Donc, celui-là qui était très facile, quoi. Celui-là, le plus facile, quoi. Donc maintenant, on va passer au deuxième, qui consiste en fait, le deuxième... Donc ce qui va se passer en fait avec le deuxième, les amis, c'est vous faites ce combo là que je vous ai montré, 5 fois carré, triangle, triangle, après L1 et puis vous enchaînez, donc c'est celui-là. Donc vous faites ce premier combo infini. Ensuite, si vous voulez, vous enchaînez directement avec le deuxième combo infini en fait. Voilà. Donc en fait c'est ça en fait que je vous avais dit au début là. En fait, faut permuter les deux combos infinis, parce que si, je vais vous montrer le deuxième combo infini là tout de suite, si vous faites à chaque fois que le deuxième combo infini, en fait, il passera pas en fait. Il passera pas. Je sais pas pourquoi, il passera pas en fait. Parce que le temps qu'il fasse sa technique, qu'il se roule sur lui-même et tout ça, en fait, l'adversaire, il a le temps de tomber en fait. Donc il peut pas le prendre en fait. Quand il est en l'air. Il a pas le temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur ce combo infini là que je vous ai montré. Donc le premier, et ensuite on refait le deuxième combo infini que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'espère que vous me suivez, hein. J'espère vraiment que vous me suivez, parce que c'est peut-être un petit peu dur à comprendre. Ok, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc en premier temps je vais vous montrer le combo, le deuxième combo infini en fait. Donc, voilà, ça donne ça, hein, le deuxième, c'est ça. Et là bim, cancel. Vous voyez, cancel. Donc cancel pour reprendre sur le premier combo infini que je vous ai montré. Parce que si vous refaites à ce moment-là le deuxième combo infini, donc celui-là que je vous ai montré tout de suite, si vous le refaites là tout de suite, bah ça va pas marcher en fait. Parce qu'il attend de. Vous voyez, l'adversaire il est en l'air là. Donc il attend de descendre. Donc on peut pas enchaîner sur celui-là en fait. Sur celui-là à chaque fois. Parce qu'il passera pas en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est faut permuter en fait. Vous faites le premier combo infini que je vous ai montré. Ensuite le deuxième, vous faites celui-là. Vous faites celui-là que je vous ai montré, le deuxième. Voilà, et ensuite vous repermutez sur le premier, et ainsi de suite. Pour pouvoir faire le combo infini qui se passe avec les triangles, en fait. Donc du coup, il fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, en fait, c'est ça les bails, quoi, si vous avez compris le truc. Donc je vais vous montrer ça, là, tout de suite. On va monter ça. Ok, donc c'est parti. Donc, notre truc, on va commencer par le premier combo infini. Ensuite, on va permuter sur le deuxième, que je vous ai montré sur le triangle, là. Donc, ça fait 4 fois, pour le deuxième combo infini, ça fait 4 fois triangle, carré, et triangle. Donc, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, carré, triangle. Voilà. Donc, voilà, c'est affiché à gauche, là. Donc, 1, 2, 3, 4, triangle, carré, et vous refaites triangle. Ensuite, vous allez remettre un triangle pour vous TP derrière lui, en fait. Et ça coûte 0 en enduit, hein, bien sûr. Voilà, donc une fois qu'il sera TP derrière lui, ce qu'on va faire, parce que des fois, il a du mal à le reprendre, en fait, l'adversaire. Donc on va essayer de dasher vers lui, vite fait, comme ça. Un step dash, quoi. On va essayer de step dasher vers lui, comme ça. Une fois qu'il sera en l'air. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, donc c'est parti, on va faire ça. Ok, donc c'est parti. On enchaîne sur le deuxième. On se TP, on essaie de dasher vers lui. Voilà. Là, on commence là si on veut. Là, on permute si on veut sur le deuxième. Voilà, donc c'est ce qui se passe en fait. Et j'ai remarqué en fait, pour le deuxième combo infini, si vous êtes déjà tout en haut de la map, bah c'est beaucoup plus facile de reprendre l'adversaire en fait avec le deuxième combo infini. Donc si vous êtes en haut de la map, il n'y a pas besoin de dasher, quoi, en fait.
C'est ça le truc en fait. Mais si vous n'êtes pas en haut de la map, faudra faire attention pour que vous regardiez où est-ce que l'adversaire il va venir vers vous, pour que vous puissiez dasher vers lui, pour que vous puissiez le rattraper quoi. Donc voilà, c'est ça le truc quoi. Ok les potos, donc voilà, c'était une petite vidéo de comment on finit avec Goku Black. J'essaie de faire une vidéo que voilà que pas grand monde a fait déjà, je regardais un peu sur YouTube là, ce combo là franchement je l'ai pas vu. Donc voilà les potos, c'était une petite vidéo de comment on finit avec Goku Black. Donc j'espère que vous aura aidé et puis je vous dis à la prochaine les gars pour une prochaine vidéo et puis c'est tout. Allez, peace.